Pour céder la parole à Alain-Jacques Tornard, c'est un historien émérite, vous le connaissez je pense déjà ici. Il travaille beaucoup sur les relations franco-suisses d'abord, je dirais, mais c'est un grand connaisseur de Napoléon et de la campagne de Russie de 1812. Il a également travaillé aussi pour l'ancien journal L'Hebdo avec c'était Patrick Valéan, sur des documents rapatriés de Moscou qui concernaient la Suisse, à l'époque où c'était possible, je pense, Alain-Jacques, c'était dans les années 90, 2000, en fait. Ouais. Et puis, dans un article, il a parlé de ça dans un article qui s'appelle « Les accords secrets entre Guizan et la France ». Alain-Jacques, il est l'auteur de nombreux livres, qu'il est impossible de nommer tellement il y en a, je crois. Hein. Il est aussi animateur d'une émission d'histoire sur Radio Fribourg, où il a tenu de nombreuses séquences sur la Russie, et puis il me disait d'une manière équitable, ce qui est un exploit aujourd'hui. Neutre. Donc les titres de ces émissions, j'en cite, de quelle nature est vraiment la menace russe sur l'Europe, ça c'est la dernière émission. Ouais, je la recommande. Que j'ai trouvé assez osé. Des éditos sur la vision américaine de la Russie, la vision chinoise de la Russie. Que faire de la Russie? Où va la Russie? Voilà, il y a beaucoup d'émissions là-autour. En plus, j'ai des origines tatares. Alors, quand on parle des relations entre la Russie et la Suisse pendant la guerre de Crimée, il y a un mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Malakoff. Vous savez, à cause de ce fameux gâteau au fromage Malakoff, en fait, qui a été créé sur les bords du Léman. Les liens entre la Suisse et la Russie sont très forts à l'époque. Et on est très neutre. Alors on parle toujours de la neutralité qu'aujourd'hui on devrait respecter, mais à l'époque on a tenu absolument à garder cette neutralité qui était en fait, du point de vue suisse, quelque chose d'assez pro-russe quelque part. Parce qu'on leur devait beaucoup aux Russes. Eh bien oui, si vous étiez plutôt un ultra-conservateur venant de Suisse centrale, ben vous vous souveniez qu'en 1799, c'est les Russes de Souvarov, je crois qu'on l'avait évoqué ici, qui étaient venus. Vous avez un magnifique monument qui le rappelle. Si vous êtes plutôt, comme Sieur Beret, un radical, donc à l'époque plutôt de gauche, ben vous vous souvenez avec Frédéric César de la Harpe, que c'est Alexandre, l'empereur Alexandre, qui avait sauvé la Suisse créée par Napoléon avec ses équilibres internes. Bon, là aussi, ça a été évoqué, d'ailleurs, je crois, à d'autres reprises. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de consensus en Suisse pour rester en dehors de ce conflit. Mais il y a un problème, même je dirais deux problèmes, c'est qu'en Suisse, on a le général Dufour, proche de Napoléon III, qui lui-même... vous savez qu'on a eu l'occasion des fois d'en parler, avait des origines suisses, il était turgovien, il avait été à Thun, enfin, il connaissait bien la Suisse. Et il ne rêvait que d'une chose, ce Napoléon III, c'était de reconstituer ce qui faisait toujours le lien entre la France et la Suisse, c'est-à-dire le service militaire des Suisses en France. Bon, pas de chance, en 1830, on avait mis fin à ce service militaire. Il était devenu obsolète, la Suisse devenant neutre, elle ne pouvait plus participer aux guerres européennes. Alors il y avait quand même un service qui était resté, c'est celui de Naples, jusqu'en 1859, il y avait le service pontifical, et puis il y avait la Légion étrangère. La Légion étrangère, elle a été créée le 9 mars 1800. 31 pour récupérer les Suisses qui étaient au service de France. D'ailleurs, il n'y avait que des colonels au départ, jusqu'en 1859, il n'y avait que des commandants suisses. Il y avait Stoffel, il y a eu Bonaventure Meyer à l'époque qui nous intéresse, par exemple, qui était de Holten. C'était des personnages haut en couleur, d'ailleurs, il était colonel fédéral. Et en 1854, quand se commence cette guerre de Crimée, eh bien, la Légion étrangère, elle est en Algérie. C'est son lieu par excellence, Sidi Bel Abbès, etc. Et donc, on envoie deux bataillons de la Légion à bord du Jean Bart le 27 juin 1754 pour la Crimée, où il y a plusieurs centaines de Suisses. Vous savez que dans la Légion, il y a toujours eu beaucoup de Suisses. Hein. C'est une tradition, c'est un peu un fond permanent. Ils ne sont jamais majoritaires, mais ils sont nombreux. Sur plusieurs milliers de légionnaires, vous en avez toujours plusieurs centaines à l'époque qui sont Suisses.
Et ils vont participer, en effet, à Sébastopol, par exemple, au siège de Sébastopol, et aussi jusqu'à l'assaut final, en 1855. Ils vont participer à l'Alma, donc c'est un lieu important. Les Russes, d'ailleurs, étaient impressionnés par ces légionnaires. Ils les appelaient les ventres de cuir. Je ne sais pas comment on dit en russe. Parce qu'ils avaient leur... Pardon ? Cojene život. Voilà. Parce qu'ils avaient leur cartouchière devant eux. Donc ils étaient étonnés de voir ces cartouches de ces légionnaires. Le légionnaire, à l'époque, il avait cet aspect-là. Si vous voulez, je peux passer le... Je peux le passer. Il avait un costume bleu. Et donc, le Napoléon III, qui se souvenait bien sûr des origines suisses, très attaché à la Suisse, voulait absolument créer une légion suisse. Alors, il a de la chance, il y a une conjoncture plutôt favorable. En 1854, il y a une grosse crise économique en Suisse. C'est vraiment féroce, hein. Il y a eu des centaines de milliers de Suisses qui sont partis à l'étranger, les fribourgeois qui sont à Varadero. Et donc là, on se dit, voilà, il y a des gens qu'on peut utiliser, des soldats qui sont potentiellement importants. D'ailleurs, il y a un projet bernois Blush de colonisation en Algérie. Mais ça, ça ne plaît pas à Napoléon III, parce que lui, il ne veut pas envoyer des Suisses en Algérie. Il veut des Suisses pour aller en Crimée. Et le problème, c'est que, bon, il y a déjà pas mal de Suisses en Crimée, puis quand ces gens racontent, envoient des courriers, eh bien, ils racontent une guerre absolument abominable. On l'a évoqué, le choléra, une guerre en plein hiver, tout ça ne donne pas une bonne publicité à... la Légion étrangère, déjà à l'époque. En plus, il y a un contexte politique. En 1848, on a interdit les capitulations militaires, donc on ne peut pas créer des liens officiels entre la France et la Suisse. L'article 11 interdit tout cela. En plus, le régime radical est terriblement hostile à ce lien avec l'étranger. D'ailleurs, celui qui est pourfendeur du service militaire étranger, c'est Ulrich Ochsenbein, un des cofondateurs de la Suisse moderne, celui qui était dans les corps francs, qui s'est illustré et qui n'a jamais été président de la Confédération. Et ça, ça l'a beaucoup frustré. Pourquoi ? Parce qu'en 1854, il n'est pas réélu au Conseil fédéral. Alors, qu'est-ce qu'il... Il en parle au général Dufour. Le général Dufour, qui est très proche, naturellement, de Napoléon III, eh bien, se dit, tiens, et là, il y a une opportunité pour rapprocher les Suisses des Français. Ulrich Ochsenbein, qui est celui qui a combattu le service étranger, ben voilà qu'il pourrait incarner un nouveau service de France. Et ça obsède littéralement Napoléon III. L'ambassadeur de France en Suisse, Salignac Fénelon, beaucoup moins d'ailleurs les ministres français, parce qu'ils voient bien que c'est obsolète tout cela, et puis que le but c'est de neutraliser la Suisse. La Suisse, l'intérêt de la Suisse désormais, c'est qu'elle soit neutre, en dehors des conflits. Même les Français s'en rendent compte. Mais Napoléon III, il marche à l'affectif, Napoléon III. Hein. C'est assez étonnant de voir ça. Napoléon III insiste, et au mois de janvier 1855, on décide de créer une légion suisse spécifique, on l'appelle bien légion suisse, avec un uniforme vert et rouge, dite couleur nationale de la Suisse, je peux vous passer les petits personnages, comme ça vous les verrez de plus près. D'ailleurs, j'ai aussi un article, vous pouvez regarder de quoi ça a l'air. Je passe de ce côté-ci, et puis un de ce côté, voilà, et un de ce côté-ci. C'est sur l'article que j'avais écrit sur la Légion suisse. Très peu connue, cette Légion suisse. Hein. Tellement peu connue que Vallière, dans son Honneur et fidélité, n'en parle absolument pas. C'est assez étonnant. Le général Dufour, encore une fois, joue les entremetteurs. Hein. Le rôle est toujours un peu trouble avec le général Dufour. Il a été français quand il était genevois du temps. Et ça lui reste quelque part. Et là, en parenthèse, j'ai quelques caricatures en préparant cette communication. J'ai retrouvé des caricatures dans la presse suisse. J'avais fait une exposition sur l'image de la Suisse à travers la presse illustrée. Vous avez quelques jolies caricatures qu'après intégreront les réserves de notre ami. Alors, cette Légion suisse, il faut bien la monter, donc on est en janvier 1855. Le général, Ochsenbein devient général,
il obtient un titre de général, il va commander une brigade, il va partir en France. Alors vous voyez le paradoxe, hein. Et puis on va se dire, mais tiens, comment on va créer ça? Donc on va même rapatrier les Suisses de la Légion étrangère traditionnelle qui se trouvent en Crimée pour grossir les rangs tout simplement de cette deuxième légion étrangère. Parce que ça ne va pas très bien fonctionner. Il y aura beaucoup de romans, des genevois, des vaudois, beaucoup de bernois, un peu la clientèle politique d'Oxenbein, mais ça sera assez mal compris. Le caractère obsolète de ce service éclate au grand jour. Hein. Donc on a une grande hostilité à cet égard. La presse tire à boulet rouge contre cela, mais Oxenbein insiste. D'ailleurs, quand il quitte son département, parce qu'en plus, il avait le département militaire fédéral. Mmh. Vous rendez compte, c'est le chef du département militaire qui va créer une légion suisse à l'étranger. Et c'est les Français qui vont finalement dire non, attendez, il ne faut pas peut-être aller trop vite, parce que lui, il voulait vraiment se lancer comme ça, y aller franco. Hein. Il convoque les militaires, il leur dit, bien que je quitte la sphère d'action qui m'était assignée, je ne cesserai cependant point de vouer mon attention militaire en général et tout mon attachement à l'armée. C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, ce sera le dernier général français à titre étranger que la Suisse aura. On va créer deux régiments pour la Légion suisse, mais en fait, ils n'obtiendront jamais plus de 800 hommes. Parce que il y a des problèmes alimentaires en Suisse, des problèmes de crise, on n'y croit plus. Alors on va même jusqu'à fermer les bureaux de recrutement pour le service de nappe qui se trouve à Morteau, sur la frontière suisse, parce qu'il y a encore puisque nous avons le consul d'Italie, il y a encore un service des Suisses à Naples. Jusqu'en 1859, ils sont toujours présents là-bas. D'ailleurs, ça sera une sorte de marchandage en 1859. Les Suisses lâcheront le service de Naples, et ce qui permettra aux Français d'obtenir tout ce qu'ils voudront ensuite par rapport à la Savoie et au comté de Nice. Et donc, toujours cette idée de les envoyer en Crimée, mais le problème, c'est que ça tarde beaucoup. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, on a évoqué le timing. On est maintenant bien avancé en 1855. Napoléon III commence à s'impatienter, parce que finalement, on n'en voit pas grand-chose, on n'en voit pas de nouveaux Suisses. Au contraire, on les a fait revenir, puis ils sont plus... Pourquoi ? Parce que... Pour lui, vous savez, il avait son grand slogan, Napoléon III, l'Empire, c'est la paix. Et donc, il faut économiser le sang des Français. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on invente déjà quasiment à l'époque la guerre par intermédiaire. Il soutient le Vatican, les États du Vatican, via des Suisses. D'ailleurs, il y aura aussi les Zouaves pontificaux. On a évoqué la place des Zouaves. On utilise les Suisses encore à Naples. Donc ça, c'est toujours pour une forme de guerre par délégation, et on veut, il y aura même quand même 100 000 morts, hein, je crois, du côté français, c'est quand même énorme, donc on veut absolument éviter tout cela. On récupérera deux colonels, colonel Bonaventure Meyer et un grison qui s'appelle Capret, pour avoir des noms de prestige. Il y aura quelques officiers dans la famille de Reynolds, par exemple, du canton de Fribourg, des Courtenay, des Reding qui vont y aller. Mais Oxenbein va avoir surtout recours à des fonds de tiroir, on va essayer de trouver tout ce qu'on peut, mais le service de France, décidément, ne fait plus recette. Je vais passer rapidement sur ces aspects-là. Les plus représentés, c'est en effet, comme je l'ai dit, c'était plutôt les francophones. Il fallait agir, comme disait le Drouin de Luys, qui est un ministre, avec la plus grande discrétion, encore une fois, parce qu'il ne fallait pas froisser les Suisses. Mais alors, on va utiliser d'ailleurs des moyens modernes, on va utiliser des entrefilets dans la presse suisse, pour inciter les gens à aller dans... Parce qu'il y a aussi, en plus, une légion britannique, l'Anglo-Suisse Legion, qui est un peu la grande concurrente, parce que finalement, eux aussi veulent recruter pour aller en Crimée, et puis en plus, ils payent mieux, les Anglais. Donc voilà, alors on se dit, voilà, on utilise des feuilles volantes. Ah oui, des feuilles volantes, ça c'est qu'on va dans les casernes suisses,
donc ceux qui font leur école de rue, puis on distribue des flyers, comme on dirait de nos jours, hein, pour les inciter à rentrer. Donc c'est en avant quelque part la publicité moderne. Ainsi, le 9 février 1855, une lettre anonyme datée de Berne est adressée à un gendarme du canton de Zurich, instructeur d'infanterie, qui plus est. Elle renfermait l'injonction suivante. Au nom de monsieur le général Ochsenbein, vous êtes invité à vous faire enrôler dès que les dépôts d'enrôlement seront connus. Les dépôts étant sur la frontière suisse, du côté justement du pays de G, par exemple, du côté de Mout, de Morteau. Il y avait un petit peu de mélange des genres. Alors, bien sûr que ça ne fonctionne pas bien, hein, tout ça. Même s'il y a eu 13 000 Suisses qui ont quitté... rendez compte, il y a eu 13 000 Suisses qui ont quitté la Suisse en 1854, mais que quelques centaines qui sont partis au service de France. Et le nombre d'enrôlés ne tarde pas à s'écrouler. Et il a d'ailleurs fallu supprimer le dépôt des Rousses et de Morteau. Et un tiers seulement des effectifs ont été rassemblés. En plus, il y a des incidents, des désertions, parce qu'il y a des gens qui s'engagent pour avoir la prime, mais après ils vont dans le dépôt d'à côté pour les Anglais pour avoir l'autre prime. Donc il y a eu des incidents assez fâcheux. Une demi-section a franchi la frontière avec la baïonnette, par exemple, donc ça crée ça fait mauvais genre, voilà, ça fait très mauvais genre. Et les patriciens conservateurs, la presse de gauche, vous voyez, tout le monde s'allie des deux côtés, comme je vous ai dit. Il y a la Russie, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, ben, elle est plutôt bien perçue dans notre imaginaire collectif. Hein. Il y a eu tellement de Suisses qui sont partis, tu as cité les précepteurs, mais on a toute la gamme, y compris des amiraux, hein, puisque Lefort était un amiral. Donc c'est absolument étourdissant de voir la place que ces Suisses ont pris en Russie, et réciproquement, hein, vous avez vu avec Herzen. Et donc tout ce petit monde, eh bien, tire à boulet rouge sur la Légion suisse. Et pendant le carnaval à Bâle, le fameux carnaval, le commandant de la gendarmerie du Haut-Rhin raconte le fait suivant. Une douzaine d'habitants de cette ville en parcoururent les rues, escortant un corbillard sur lequel était placé un cercueil surmonté d'un bœuf, coiffé d'un chapeau de général avec cette inscription « Légion étrangère suisse hein, »,« Ochsenbein hein, ». Au bas du tableau figurant une jambe de bœuf, traduction donc du nom allemand « Ochsenbein ». Donc vous voyez, c'est tout dire. Et donc, c'est finalement, ils partiront jamais pour la Crimée, parce qu'entre-temps, ben, on fera la paix. Donc ça sera... Et donc on maintiendra quelques semaines encore cette Légion suisse. Si vous allez au musée des Suisses à Rueil-Malmaison, vous avez d'ailleurs des représentations de ces soldats. Et en fait, on décide finalement de les licencier au printemps 1856, de fondre tout ça dans une nouvelle Légion. C'est assez étonnant. Il y avait la deuxième Légion étrangère, qui redevient la première Légion étrangère. Ça reste officiel. Parce que Napoléon III persiste et signe, bien entendu, et il se dit non, je veux quand même encore voir, mais parce qu'il rêve, comme tous les souverains français, d'avoir un régiment suisse, donc il les maintient officiellement jusqu'en 1858-59. Et puis là, bien entendu, ça ne peut plus durer ainsi en France. On ne peut pas comprendre cela. On comprenait déjà plus en 1830. On l'a plus compris en 1792, donc c'est devenu l'obsolescence programmée, même à fortiori. Et donc on décide de supprimer tout cela. Et d'ailleurs, symboliquement, pour la première fois en 1859, le commandant de la Légion étrangère ne sera plus suisse, mais espagnol. C'est absolument tout dire. Il n'empêche que sur le long terme, parce que ça jouait quand même un rôle important dans notre imaginaire, parce qu'on a continué quand même à aller à la Légion étrangère. Il faudra attendre 1927 quand même, hein, pour que la loi interdise tout enrôlement dans une armée étrangère. Et comme vous le savez, c'est pour cela qu'on use d'une petite astuce pour la garde suisse pontificale, qui officiellement est une force de police pour échapper à cette loi. Voilà. Merci beaucoup.